J'y vais? Le type empathique, rappelez-vous, a deux besoins psychologiques, être reconnu en tant que personne et a besoin de satisfaction sensorielle. Eh bien, quand je veux nourrir mon besoin de reconnaissance en tant que personne, qu'est-ce que je fais? Une des premières choses que je fais, c'est que je vais t'offrir mon besoin. Les plus grands manipulateurs de la Terre sont nos enfants. Ça marche aussi pour les chiens. Oui. Le chien sait comment avoir de l'attention de toi, et s'il n'a pas d'attention de toi, il fera pipi sur ton oreiller. Mais je décode que c'est la manifestation négative d'un besoin psychologique, ben peut-être que j'ai de quoi lui offrir quelque chose, et si j'ai pas, courage, fuyons. Vous vous rappelez que j'ai donné une règle ce matin qui était la règle numéro 1, je dois d'abord m'occuper de moi. Je ne connais pas de personnes qui sont disponibles pour donner à manger aux autres, s'ils n'ont pas suffisamment mangé. Et qu'est-ce qu'on va observer? On va observer qu'il y a des gens qui vont plutôt aller vers la relation et vers les autres. Par exemple, j'arrive dans cette pièce, je ne connais personne, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais me placer de ce côté de mon axe, en faisant quoi? Eh bien, je vois qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas, elle va créer comme ça cette zone de contact, parce que nous autres, empathiques, nous aimons vivre dans les groupes et nous sommes des bêtes de groupe. Toc, toc, toc. C'était qui, l'empathique, là ? Empathique. Alors, c'était une personne qui prend l'initiative du contact et qui est tournée vers la relation et qui parle à l'autre de soi. Donc là, vous l'avez vu, parce qu'à peine étais-je entré, que j'avais déjà donné des tas d'informations. Tourner vers la relation ou tourner vers l'activité, on va pouvoir maintenant placer nos types de personnalités dedans. Les personnes, elles peuvent être alternativement internes et externes, parce qu'en fait, ça dépend peut-être du sujet. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de motivation externe. Ça devient à ce moment-là une stimulation qui est liée, non pas à l'activité elle-même, mais à quelque chose qu'apporte l'activité.